Et oui, ça démarre à 19h30 parce que j'ai oublié d'enlever tout simplement un affichage qui n'avait rien à faire ici. Et donc, comment ça, il y en a un autre? Ah oui, effectivement. Je vous présente l'infirmière de The Big Gamoski, puisque depuis le temps qu'elle œuvre dans l'émission, il était quand même bien de la présenter. Je ne sais pas ce qu'elle a là. Je pense qu'elle a des fièvres ou des douleurs, je ne sais pas. On va y aller. On démarre un troisième stream qui est un petit peu bonus hein, par rapport à tout ce que je vous ai présenté sur Far Lone Cell, ce petit jeu qui est assez sympatoche, qui a une patte graphique intéressante, une ambiance sonore qui ne l'est pas moins. Ceci dit, le périple étant relativement long, je sais pas, pour l'instant tout est qu'en fait on avance très lentement, mais on avance. Et en fait les heures se font bouffer, ça fait le troisième stream, on a déjà fait 2 fois 1 heure, les heures se font bouffer sans qu'on s'en rende compte. Donc un petit jeu casual apparemment. Petit parce que j'ignore complètement sa longueur totale. Casual parce qu'on ne m'a pas demandé des choses qui font appel à une réflexion de fou et de savant du post-atomique. Donc on va continuer juste parce qu'effectivement on a ces gènes de chat en nous tous qui nous poussent à savoir qu'est-ce qu'il y a après. Je vais juste déclencher ma cape du jeu, que je n'ai d'ailleurs pas lancé encore. Et on va plonger dans Far Lone Cell. Illico. Ah bon, Espignon, tu nous fais ton fail de démarrage? Oui, c'est en cours. Oh merde, je l'ai raté. C'est pas grave. Y a pas un fail avec le son que je peux faire? Genre mes retours qui vont être hyper forts. Peu importe. Nous reprenons. Si mes retours sont hyper forts, je vais les baisser en ch'touille. Si j'arrive à choper mon curseur, ce sera mon premier fail de curseur. Voilà. Todo bien. Nous voilà revenus à bord. Alors que s'est-il passé? Résumé des précédents épisodes. Bah, 2-3 péripéties, dont un petit peu de casse, hein, je me suis pété une roue quand même, mais on a réussi à la changer. Et je continue d'explorer cet environnement qui, je le rappelle, on s'est légèrement fait piquer les océans apparemment. Et on a tenté de faire une civilisation réussie telle que certains présidents prétendent nous l'offrir, en faisant des enchaînements apparemment qui ont tous mené à un fail général, quoi. Je vais faire un petit tour dehors, hein, histoire de visiter. Alors le gameplay se résume à son essentiel pour les gens qui prendraient en cours. Et c'est très très mal, je vous invite à regarder le premier stream, sinon vous allez rien piger sur les subtilités du jeu, bien qu'elles ne soient pas gigantesques. Mais du coup, vous allez débarquer dans une histoire où vous ne captez pas grand-chose, et c'est un peu con parce que le jeu a une narration qui est quand même toute douce et toute sympatoche. Donc, si dans votre exploration YouTube, vous êtes tombé sur cette vidéo en premier, je vous invite à prendre la vraie première vidéo. C'est marqué dessus, c'est Far Lone Cell, première partie. Vous cherchez dans la playlist The Big Game Husky, vous tomberez dessus à coup sûr. Bon, j'ai bien fait shopping. Eh ben, on va repartir à l'aventure, les amanches. Alors là, je suis avec Gadouland, hein, apparemment. Je vais juste me basculer la fenêtre de l'autre retour dessus, histoire que je vois bien. Oula, 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 oula! Oui, bah j'ai oublié de freiner, ça arrive. Ça arrive. Je regardais un autre truc. Je regardais les retours. Et oui, c'est ça d'être pro, madame. Comment ça, je suis coincé? Mais jamais, je ne suis jamais coincé dans ce jeu. Et pourquoi le serais-je d'abord? Je peux être coincé parce que. Parce que, un, c'est comme ça. J'ai un début d'idée. On va faire ça. Mon début d'idée semble pas mal. Regardez la technique. Alors, je pousse-toi, toi. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Hop, toi, tu vas là-dedans. Est-ce qu'on en a assez? Non, on va en remettre un petit peu. On est cool. Je vais garder ça quand même. Je vais foutre dans ma chambre, tiens. Hop, tout ce qui est pas important, c'est là-dedans. Je fais des verres, mais c'est magnifique. Le pot de fleurs, c'est important? Non.
Alors on va le mettre out. Non, non, mais c'est. Ça y est, je suis devenu un maniaque du rangement. Je sais pas, soudainement, ça m'a pris d'un stream à l'autre. Vous avez bien vu le bordel que c'était dans le précédent. Et là, j'ai fait, non, mais il faut pas que je leur fasse voir ça. C'est vu par un jeune public, si ça se trouve. Le bon exemple, c'est toujours très important. Et je pense que je vais exposer ce sale truc de. Schnitzel! On va bien se laisser monter la pression, hein, comme un gros porc. Bien dans le rouge, comme on n'aime pas. Et je pique! Alors, fais-moi le malin, là! C'est qui le boss? C'est qui le boss? Et toi, roule! Roule, 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 roule! Ouah, faut qu'on trace! On est au fin fond du cul de nulle part. Ce serait moche de tomber en panne, d'ailleurs. C'est chaud, là. C'est chaud, chaud. Pas passé. Eh ben, quand ils font des averses de grêle ici, ils font pas semblant les cochons. Hein. C'est chiant cette passerelle qui remonte pas quand on passe d'un côté à l'autre. Parce que. Ben, elle sert souvent d'obstacle essentiellement. Voilà, c'est fixable comme on dit. Bon, je pense que vu que ça s'arrête pas, il va falloir tracer comme un gros cochon. On va dire ça. Joli, hein, les garçons. Et si encore, hein, pareil, je vois pas.
morfle là-haut, ça morfle. Bon, le truc bien, c'est que la tempête s'est arrêtée du coup. Voilà qui est bien mieux. Eh bien, chers amis, on repart, hein, tout simplement. Alors, j'ai du turbo nitrate ou du nitrate tout court. Qu'est-ce qui vous inspire plus? Nitrate. Le vent en face, en plus, pas moyen d'utiliser les voiles. Est-ce que ça s'ouvre ça? On va dire oui, il va s'ouvrir tout seul ce truc. Il a l'air trop génial. Non, ça s'est arrêté vraiment comme une merde. Et ok, ben on va voir ce qui se passe. C'est quand même vachement pratique les jupes parasols. Ah non, c'est pas ça, c'est un élévateur carrément. J'y vais pas. C'est comment dire? Comme dirait Jean-Paul, DTC. Ok. Hey, hop, 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 attends. Matelot. Bouge pas là. Peut-être mieux y comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Mais bordel de schnitzel! Ça va venir, ça va venir, ça va venir! Mais attends ici, connard de truc! De toute façon, c'est pas ça. T'y tiens, ton truc, toi. C'est vrai que ça va plus vite en portant plutôt qu'en traînant. Tu t'es fait niquer. Ah bah non, c'est bon. Ne pas toucher le bouton surtout. Oups. Désolé.
Bon, les énigmes ne cassent toujours pas des barres, mais bon. Elles ont le bon goût d'être là et d'occuper un petit peu le voyage. Ouais, peut-être que je répare le. Alors, est-ce que ça se dit? Le cul de mon véhicule. Oui, on va dire que ça se dit. Passer avec une flamme dans des endroits où il y a des tonneaux inflammables stockés, c'est une riche idée, je trouve. Ok. Reste un truc à réparer, mais je sais pas ce que c'est. Ah si, ça. J'aurais pu le faire au vol, mais. Ben, nous l'apparaît pour de nouvelles aventures, les amoches. Oui, quand on ne sait pas si ça se défonce, on teste d'abord. Et c'est reparti. Oui, avec moi, tout est énergie, c'est magique. On note pour plus tard, ne pas utiliser ces bidons. Ils sont bidons.
Alors oui, je ne vous pose pas de commentaires parce que, bah, enjoy quoi les gars, enjoy, c'est tout zen. Oula. Alors, je sais pas si c'est une idée foncièrement géniale de s'arrêter au milieu d'un passage à niveau, mais je vais quand même le faire. Oui, on a le touch of class, on ne l'a pas. Ah putain, mes voiles, mes voiles, mes voiles, mes voiles, mes voiles. Non, c'est bon, ça passe. Parce que j'ai déjà fait la connerie de percuter un obstacle en hauteur avec les voiles et je l'ai regretté à merde. Et je l'ai garé à la perfection là, les gars. Par précaution, je vais plier les voiles parce que je sens une énorme connerie arriver. Et on va aller s'explorer ça à la main. Et j'ai un tonneau qui se barre! Reviens là, Brutti, t'es pas dans Donkey Kong. C'est quoi ça? Non, mais je rêve. Oui, explorer, c'est parti. What? What? Oui, alors moi j'ai compris ça, mais je sais pas si vous avez compris pareil que moi. On va voir. Mets ton frein à main, mets ton frein à main, mets ton frein à main. Non! Mais... Le mec qui a fait cette cabine de cacarella, là, non, hein, quand même, c'est méchant. C'est gratuit. Alors moi, ce que je souhaitais faire, c'était trouver une attache pour le camion et puis le remorquer plus loin. En me disant, ça passe. Mais apparemment, c'est pas ça qui est prévu. On va tenter, mais. Peu de chance que ça marche. Ouais. Alors, j'ai une autre option, c'est de faire péter. Mais je suis pas très convaincu. Ça se tente, hein. Je suis bien arrimé, je trouve, hein, c'est pas mal.
Bon, admettons, The Marmotte, tout ça, théorie, physique quantique, accéder à cet escalier là-haut et ses engrenages. Voilà une chose qui me plairait beaucoup. Mais par où? Mais par comment? D'ailleurs, un petit passage là. Petit passage, mes oreilles. Ouais. Pas d'affolement. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même. Et oui, faut le savoir. L'inutile parfois a ses qualités. Et également ses défauts. Et personne dans le chat? Oh quelle merde! Quel merdage! Je veux monter là, moi! Et je ben Traorik. Ah, quand je commence à parler allemand, c'est que je suis vraiment très Traorik. Je peux pas escalader mes voiles. Je peux pas. Ça, je peux pas. Pour l'instant, je suis en train de lister les je peux pas. Dans une utopie toute relative où je trouverai une action que je peux. Et la seule que je vois pour l'instant, c'est de continuer de bourrer et de pousser comme un bourrin. Je vois vraiment pas quoi d'autre faire. Voilà, tu accèdes à ta room. Non, attends, il y a une blague là. Ok. Tu es un canaillou, tu es un petit coquin, tu as plein de ressources mal intentionnées cachées. Eh bien, peu importe, je vais remorquer à la main ce véhicule. Eh ouais. L'expression consacrée voudrait que je l'ai garée comme une insérée ici, et je ne vais pas m'en servir. Ah ah, vous êtes épaté. What? Wait. No. Je vais faire un caprice. Je vais rentrer ma voile, j'ai l'air trop con déjà. What, les gars? Why doesn't it work? It's a good question. Une porte, un mécanisme qui ne veut pas s'ouvrir. Qui veut de l'eau. Ok. Oui, bah oui, c'est la logique, hein. Donc on va faire ça avec, comment dirais-je, bah, la logique, justement, ça tombe bien. Maurice, tu n'as plus d'eau. Eh ben, comment ça se fait, genre? J'avais rajouté un pack complet, j'avais pris de la Vittel exprès. Hop, placement produit. Vittel, tu me dois un pack. Hop. Ben, démerde-toi, Jean-Jacques. Ça y est, j'ai fait le plan, regarde, ça devrait marcher. Ouais, super. J'en fous de partout, je crois. Ouais, mais t'en fous pas où il faut. C'est ça qui est con. Ha mon véhicule, il s'en va sans moi. Je suis super malheureux. Ça marche pas. Parce qu'il faut sûrement le réparer. Tu as raison, Maurice. Mais vous êtes combien dans ce vaisseau-là? Dites-moi. Hé, tu restes là, le truc.
Non, non. Oh putain, il y avait un obstacle devant. Ok. J'aurais peut-être pu mettre le... Non, rien. Rien du tout. C'est le bordel chez vous, dites-donc. Oui, je sais. C'est une de mes qualités. Le bordel. Eh bien, on est prêt à voguer vers de nouveaux océans infinis, etc. On va faire un petit peu de rangeage, hein, au cas où. Et c'est parti. Petit peu de vent, on va en profiter. C'est le petit perroquet, c'est un terme technique, hein. Moi je suis un grand navigateur des Alpes, on a l'habitude ici, la navigation avec les rivières, les ruisseaux, enfin on a des lacs en pente surtout, c'est notre spécialité dans les Alpes, les lacs en pente. C'est pour ça que les gens adorent venir faire du surf chez nous, c'est connu. Comment ça il dit encore n'importe quoi? Bah oui, c'est l'heure. C'est l'heure. D'ailleurs, à propos d'heure, on a fait combien de temps? Parce que ce bouffe-temps fonctionne merveilleusement. Là, il m'a niqué encore 40 minutes. 40 minutes de quoi? De rien. C'est un peu comme si on lisait un livre en s'arrêtant sur tous les mots, quoi. C'est assez rigolo. Mais on gueule pas, hein, on râle pas. Là, je suis surpris. Parce que normalement, en général, ce genre de jeu, c'est je le plie, je le désinstalle sans aller jusqu'au bout parce que ça m'intéresse pas. Mais ce sont encore mes gènes de chat qui sont là. Curiosity kills the cat, c'est connu. M'en fous, j'ai tellement plein de vie derrière encore. Infirmière, c'était quoi qu'il y avait dans le précédent vaccin? Du R. C'est quoi les contre-indications? Oui, je m'en doutais, c'est ça. Oui, pareil. Bah, je vais en reprendre deux. Hein. Quelqu'un m'accompagne pour l'apéro? Alors, plus un pet de vent, et j'arrive à Cacaville. On se met un petit coup de boost. On rentre la voile, au cas où on se fasse faire une connerie, parce que ça, c'est ma spécialité quand même. Péter la voile. Je l'ai fait qu'une fois, mais je m'en rappelle. Pousse-toi, toi. Et tu restes avec nous. Putain, je vais te ranger là-bas, toi, tu me gonfles. Oh, de toute façon, j'ai un truc devant là qui va m'amuser 2 secondes, je crois. X. Alors que faire, Nicolas? Eh bien, il ne faut jamais ou grand jamais rattacher deux choses comme ça qui n'étaient pas du tout faites pour aller ensemble. Comment ça, pas du tout faites pour aller ensemble? Qu'est-ce que c'est? Je peux faire du pneumatique? Non. Quelle est cette énorme, gigantesque connerie intergalactique? Quel intérêt de me faire ça alors que j'ai déjà un véhicule? La question va rester complètement totale. On va avancer, on verra bien ce qui se passe. Derrière cette énigme énigmatique. Parce que là, je pourrais me contenter de le pousser. En plus, quand je l'attache, il se détache, cet abruti. Ah mais ok, attends. Juste pour me contrarier en fait. Donc faut que j'attache ce machin à ce truc. Et une fois que je mets là-dedans, ça me détache, c'est un peu con. Halte à l'exploitation de la physique humaine. Je ne suis pas un hamster, j'ai déjà tourné dans une cage. Et là, on me fait sauter sur un pédalier pour faire avancer mon véhicule. Je suis contre cette exploitation injuste des moments de gym qui devraient être des moments qui restent privés. Et là, je m'adresse à toi, Facebook. Je veux pas qu'on sache qu'on sait que je fais mon cardio parce que mon bracelet est en train d'informer tout le monde.
Je ne veux pas qu'on sache quel tapis roulant j'ai utilisé à la salle de gym et laquelle c'est. Et je ne veux pas qu'on sache. Enfin, les vidéos dans les douches, quoi, merde. Ça avait une explication pour ça, les gars. Ouais, tiens. Comment ça, on s'arrête ici? Non, je ne m'arrêterai jamais. Jamais, tu m'entends. Je suis la ténacité incarnée. Bon, le jamais, c'est maintenant. Hein. Allez, hop. Et elle s'en alla au loin. C'est dommage, on commençait à s'entendre. Alors, je surveille mon chrono parce que j'essaie de ne pas vous faire des streams qui durent des heures et des heures et des heures et des heures. Et nous, on est en mode freestyle, ouais, on est des ouf. Ouh, t'as raté un bonus, mon con. Ramasse déjà cela, range ta chambre. Ça, faut pas l'utiliser. Donc, dans ta chambre, tiens, des produits inflammables. C'est ce qu'on fait avec toutes les chambres d'enfants du monde entier, d'ailleurs. C'est là qu'on stocke produits dangereux ou toxiques pour être sûr d'avoir une parfaite efficacité. Bon, où qu'on en est? Allez, feu. Va bien se passer. Oh, ce ramassage de caisses au vol, c'est magnifique. Je peux même mettre les voiles. Mettons les voiles. Je pense qu'on va battre un record de vitesse. C'est le jour. It's the day. Non, pousse. Mais pousse, petit vent. Alors, à entendre les craquements rassurants de la glace, je me dis, ce serait l'endroit idéal pour tomber en panne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, la solitude des grands espaces glacés. Ce moment où tous les bruits deviennent inquiétants, même ses propres bruits. Car à ce moment-là, il entendait son cœur battre. Oui, il avait un cœur un petit peu spécial. C'était à force de prendre. Il va se passer quelque chose, les filles. On est peut-être arrivé devant le papa de ce vaisseau. Va savoir. Alors, ça peut que faire. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bravo! T'as plus qu'à tout éteindre, crétin. Là, t'as plus qu'à tout réparer, abruti. C'est tout propre. Alors, si on allait ouvrir ce portail en bas là. Vous êtes ici? Oui, je le suis.
Je vais m'auto-aspirer. Oh, ça m'aspire pas, c'est pas cool. Ça m'aurait fait rire que je passe dans la machinerie d'aspiration. Apparemment, j'ai des sandales en plomb. Le buttons, monsieur, le buttons. Il ne va pas s'actionner tout seul. Ah, mécanisme. Mécanisme à actionner? Oui, mais par où? Je ne vois pas. Il n'y a pas de mécanisme ici, mon ami. Si on fonce dedans. On a l'air d'un bon. Ok. Passage au-dessus ou une bêtise dans le genre. Parce que j'ai bien appuyé sur ce bouton. Bien. Ah! Alors, il y a un mécanisme tout là-haut, regardez. On voit un bouton 1. Alors, pour accéder à cet endroit, je ne sais pas comment faire. Alors, je peux monter là-dessus. Ouais, bah, je vais m'auto-remorquer en fait. Tout connement. J'ai arrêté mon aspiro pour le principe et l'économie d'énergie. Oh. On est là, on est dans un stream écologique, les gars, quand même. Vintage. What? Wait. Non. Bon, ok. Nous avons un inventeur très créatif apparemment dans le coin. C'était juste pour ça, les coquins. Je crois que je suis en train d'activer la grosse version. Bon, ça va être rigolo s'il faut piloter pareil et que les inters sont toutes à l'autre bout de l'écran. Thank you.
À moi l'annihilation de la rébellion! Ah! Quoi? Ouais, quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? On m'aurait menti? Ah, je crois que tout se passe très bien. Et qu'il faut aller exactement là où il y a de la fumée. Alors, il y a du fire là-bas. Je vais rapprocher mon engin et je vais essayer d'éteindre ça en toute logique. Sans foutre le feu à mon véhicule, ce serait idéal. J'ai trop l'air d'un con là en fait. Je pense qu'on peut défoncer cette porte avec un peu de bonne volonté. Que dalle. J'ai joué aux pompiers, c'est pas dramatique ça. Alors le truc exaspérant, c'est que même la flotte, ça vous pompe de l'énergie. Je vais faire ça bêtement. Ok. So, what's next? Ça a l'air de pas trop mal se passer. Bon, je vais avoir tout ce temps pour trouver une deuxième cellule d'énergie pour dégager mon chemin. Dommage qu'on puisse pas scroller à l'extérieur quand même. Alors, il y a une rampe, il y a tout un bins. Est-ce que je remonte, toucher quelque chose? Oui, non, peut-être. De toute façon, mon véhicule ne peut plus avancer. Donc dans l'absolu, j'ai rien à faire ici. Ah.
Et il n'y a plus d'énergie pour cet engin. Que de déception. Ah ben bravo, c'est malin, monsieur. Oh, look, une cellule d'énergie. Je ne sais absolument pas pourquoi je l'avance. Sorti du fait que ça me fait plaisir, quoi. Rampe, 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 ça doit s'ouvrir, cette merde, si on est logique. Bon, ça ne dit toujours pas où je dois positionner exactement ce schnurz. Moi, je pense que ça doit être au milieu de la salle, en toute logique. Logique un petit peu désespérée, mais fonctionnelle. Ou alors, je peux essayer de le choper par. Bon, ma ficelle viendra jamais jusque-là. La ficelle. Entre eux. La ficelle. Oui, on peut dire comme ça aussi. Oui, pas deux fois. C'est moins drôle la seconde. Ce truc alors. J'y crois pas vraiment, je sais pas pourquoi. Va très mal se passer. Ok, bon allez, on a compris ta blague. Si tu pouvais faire plus vite, ce serait sympa. Non, ok, t'es à fond là, t'es à fond. Ok. On va prendre notre temps. Alors pour ce stream, j'ai peut-être dépassé un petit peu de l'heure. Il faudra pas m'en vouloir. On va voir ce qui se passe jusqu'à après ce vaisseau, parce qu'il doit y avoir un après, j'imagine. Et on se sera encore fait bouffer une troisième heure par ce jeu satanique. Moi, je dis, là, t'es pas mal, garçon. Et en plus, tu peux sauter comme un petit jambonneau. T'as un petit escalier, c'est magnifique. Regarde-moi ça de toute beau. De toute beau. De toute beauté, enfin, mes amis. Tabalabadam. Tabalabadam. Et hop, 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 toujours pas de bouton, c'est bon, non. N'oublie pas de sauter, t'aurais pas l'air con sinon. Je me connais. Bon, c'est quand même super casu les énigmes, c'est presque dommage du coup. Parce que là, il n'y a pas de mind-breaking comme il y avait dans Inside, quoi. Inside, il y avait des endroits où c'était tout con, mais c'était amené d'une telle manière que vous pouviez vous faire une fracture de cerveau, quoi. Parce que l'énigme n'était pas présentée, et elle était tout le temps présentée sous sa manière la moins évidente, quoi. Et là, on n'a même pas ce petit challenge. C'est ça qui serait un petit peu critiquable quand même dans ce jeu. Enfin, sorti de ça, il nous a, je le rappelle, bouffé déjà 3 heures. Et sans que je me force à y revenir par pur masochisme, quoi. Yopta. Et là, c'est the good moment. Là, c'est Universal Soldier, quoi.
Je vais prendre les rênes de ce vaisseau et nous allons annihiler définitivement la rébellion malgré qu'elle donne l'impression de s'enfuir à la fin du dernier épisode. Mais en fait, elle n'avait pas vu. Il y avait un énorme dôme en plexiglas. Et naïf. Moi, je vais conduire à l'intérieur de mon truc. Tranquille. Pas bien là les gars. Eh ben mes amis, c'est sur cette arrivée tonitruante que je vous propose de terminer cette troisième heure de stream sur Phare de Resailor. On se retrouve pour un petit stream sauvage bonus hein, qui ne fera pas partie des émissions officielles, histoire de ne pas spammer quand même toutes ces magnifiques playlists que vous ne manquerez pas de visiter à la fin du stream puisqu'elles seront affichées sur votre écran. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour la nouveauté du moment. Demain, en toute logique, ce sera un shmup. Je peux le dire d'avance pour une fois. Ça maîtrise, hein. Eh oui. Pensez à vous abonner, pensez à suivre le fil Twitter. Des bisous, ciao.